Bah, j'ai fait toute ma scolarité à Jean 23 jusque la prépa HEC. Après, je suis partie à Paris. J'ai fait des études de sociologie, de chinois et de tahitien. Et puis après, j'ai tout arrêté pour faire du théâtre. Et après, j'ai commencé à travailler. Et puis, il y a eu profilage et nous voilà. Et je trouve ça chouette de revenir, de revoir ses anciens profs. Et puis, y a tous les souvenirs qui reviennent. C'est assez chouette. J'ai des souvenirs de tours de terrain en canard quand on ne faisait pas bien ce qu'il fallait en sport. On avait Monsieur Moy, je vais donner des noms parce que là, il faut faire de la délation, je pense. Et je sais pas, quand ça lui plaisait pas, j'ai pas bien, peut-être quand on faisait une connerie aussi, je saurais plus trop dire. Tu fais deux allers-retours en canard, quoi, et on devait marcher en canard, ouais, c'était la grosse punition. C'est vrai que la série est arrivée, elle a apporté quelque chose d'assez différent sur TF1, qui a eu le courage de partir sur un truc vraiment nouveau, avec un personnage vraiment atypique. Et du coup, ça a mis un peu de temps à s'installer parce que ça n'arrivait, enfin, on n'avait pas ce genre de personnage en France. Et puis là, ça marche. Ben, je sais pas. On a, voilà, il y a un studio avec Philippe, il y a les scénaristes, les réalisateurs. C'est un travail d'équipe. Après, on ne sait jamais trop ce qui se passe et à quel moment, en fait, le déclic arrive. C'est vrai que sur cette saison 4, là, on fait des super, super audiences et on a vraiment passé un cap par rapport à la saison 3. Mais on y a mis autant de cœur que la saison 3. Donc, je ne sais pas, après, c'est des instants de grâce. C'est un ensemble de choses. C'est vrai qu'on a, comme l'a dit Odile, on a de très bons réalisateurs qui ont apporté un souffle nouveau à cette série depuis 2 ans. On a également les scénaristes. C'est une continuité avec la chance que nous avons, c'est-à-dire qu'on a un public qui nous suit. Un public qui était déjà présent lors des premières saisons. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont là que je n'aurai pas l'occasion de voir et donc je voudrais leur faire un petit coucou parce que apparemment ils bossent, il y a des bacs blancs bientôt et tout ça. Donc je leur dis bonjour et merci de nous suivre.